Et bonjour, ou plutôt bonsoir, on est parti pour faire des hamburgers. Des hamburgers avec tout ce qu'on a sur la table. Donc on va commencer par la première étape. Pour moi, je pense qu'il faut faire les cuire ça, les hamburgers. Je sais pas par où on commence. Nous, on va commencer par faire ça. On va cuire les hamburgers. Salut! Donc pour ça, bah, vous allez prendre deux poêles. Deux poêles. On allume le gaz. Si vous voulez refaire la recette, ben, n'hésitez pas à me suivre en direct. Oula. On allume le gaz. Et le deuxième petit feu. Youhou! On va mettre un peu d'huile. Vous mettez de l'huile dans le poêle. Voilà. En attendant, on va toaster les pains. Non? Bah attends. T'en veux un ou deux? Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. T'es sûr? Sûr? Tout ça, j'ai mangé. T'es sûr? Oui. Je n'en veux pas, c'est pas ça. Je vais quand même lui en faire un seul. Je suis en train de faire des hamburgers. Ah bah voilà, on va les faire. Bah tiens, tu vas. On fait cuire le pain? Allez, on va faire cuire le pain. Attends, bah, je vais pas ouvrir les deux paquets, hein. Lesquels on va faire? Bon, c'est vous qui allez décider. Numéro 1 ou numéro 2? Quoi que j'ai envie d'ouvrir les deux. Après, du pain, ça se conserve. Non, j'ai envie de goûter un des deux. On va ouvrir les deux. Attends, on va déjà allumer la machine. Alors, hop, voilà. Donc vous faites toaster les pains. C'est très facile à faire des hamburgers. Vous allez voir, hein, c'est hyper facile. Non, pas le pain en premier. Ah bon? À la fin, le pain. Bah non, parce qu'il faut le monter en fait. Ah oui, j'ai pas cuit les pains. Du... Stop! Ouh! Effectivement, faut cuire la viande d'abord. Oh là 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 là. Vous avez vu ce qu'elle a fait la machine? Un éclair. Alors, on va préparer. Donc, nous allons. Donc déjà le burger, ça se met le. Alors, on va mettre la cuillère viande. Le viande en cuir. Alors, vous mettez la viande derrière en cuir. Hop. Oh, Berkin. Oh, mais il se destitue. Comment ça se fait qu'il s'arrache? Je comprends pas pourquoi il tient pas. Attends.
Alors, vous prenez votre morceau de viande que vous allez mettre sur le feu. Et on va faire pareil avec les steaks végétariens. Ta viande est fraîche, prends-la avec les mains. Non, non, ça me dégoûte. Allez. On va ouvrir ça. Donc là, c'est le format végétarien. Alors, dans le salon, nous allons préparer les légumes. Alors, je vais poser le téléphone. Bon, on va commencer, on va préparer, on va couper les tomates en rondelles. Ah oui, on va aussi mettre le, je vais aussi mettre le bacon. Parce que moi, je vais faire un genre de steakhouse, comme chez Burger King. Vous voyez ce que c'est ? Voilà. Alors, bacon pour végétarien, oui, bien sûr. Les frites, je les ferai après les burgers. De toute façon, ma grand-mère n'en mange pas et on sait tous faire des frites. Alors, on va couper les tomates en rondelles. Attendez, je vais chercher un cutter dans ma boutique. Alors, bon appétit, merci. Tes frites, oui. Voilà, c'était un peu dégueulasse. Alors, on va venir couper les tomates. En rondelles. Alors, on va faire des fines lamelles avec les tomates.
Vous appliquez. Hop. Ouais. On va aller faire retourner les steaks. Ouh, c'est chaud! Alors, mettez pas vos doigts, c'est réalisé par un professionnel. Hop, voilà. Attends, ton steak il est en train. Non, je n'en veux pas. T'es sûr? Non. Bon, je te le fais, je te j'ai mets. Mangé, je n'en veux pas. Oui. Écoute, les bleus. Je te le fais. Attends, je te le fais et je te l'emballe sous cellophane et je le mets au frigo. Oui. Alors, on va continuer à couper les autres tomates. Bon, on va commencer à préparer le pain. Voilà, donc là, ça va cuire le pain. On va prendre. Deux beignets comme ça. Moi, je vais en manger deux. Alors, du coup, un. Et dans celui à mamie, on va le mettre là-dedans parce qu'elle aime bien les graines de sésame. Donc, avec la verdeur, on le met là-dedans. On va faire tout ça. Et donc, ça, ce sera pour plus tard. Bon, allez, on va continuer. On attend. Attendez, hein. Hop. Alors, je sais pas quand ça va s'arrêter. C'est 30 secondes, c'est ça? Hein? Alors, ben on attend. Donc là, vous attendez que ça cuit. Pourquoi tu maigris pas par terre? Ben en fait, la prise elle est trop courte. Donc, il n'y a pas de prise en haut. Ça cuit pas. C'est bon? Pas à voir. Oula, ouais. Coute. Et de 1. Ah, c'est chaud.
Allez. Le deuxième. Donc, vous mettez vos pains à toaster. Alors, vous allez. Sais pas si elle est cuite la viande. C'est cuit? Dites-vous parce que moi je connais pas la viande. Donc. Mais je suis là! Je suis en train de faire toaster les pains! On va continuer à couper les autres tomates. En attendant que le pain est cuit. Je vais surveiller. Et puis je vais mettre le troisième. Alors. On va couper les autres tomates. La convertir la viande. Je pense que là, il y en a assez, non? Bon. On va retirer la viande. Donc. Reprenez votre viande. Putain, j'ai plus de place. On se dépêche. Alors, on va monter les hamburgers. Le meilleur cuisinier de France, merci beaucoup. Je vais chercher fromage au frigo. J'espère qu'il y en a par contre, parce que je l'ai oublié d'acheter. Bon ben, il n'y a pas de fromage pour burger. Par contre,
Il y a du maroilles là. Du bon maroilles du nerf. Voilà. Voilà ce qu'on va mettre. Du maroilles. Alors, vous allez prendre les pains. Ils sont pas assez chauds, hein. Attendez, je vais remettre un peu les pains. Sont pas assez chauds. Faut faire gaffe parce que ça peut devenir des quiz-cotes. Ça peut devenir des quiz-cotes, donc faites gaffe. Après, ça dure. Voilà. J'attends le dernier et on va le monter. Oh putain, il est cramé! Bon. Va mettre la sauce. Voilà. Non. Ah.
Ah, non. C'est du bacon végétarien. Oh, je viens de mettre du bacon végétarien. On va mettre la laitue. Les tomates. Tomate est tombée. La petite tomate. Hop. Et vous mettez le bain. Voilà. Et voilà la chèvre d'or. Voilà. Maintenant, on va goûter. Souris. Par contre, j'ai failli me bloquer la bouche. Même goût qu'à McDo. Qu'à Burger King. Les mêmes. Et par contre, le deuxième est comme ça. Voilà. Je vais demander à mamie si elle le veut pas. Non, bah on va l'emballer pour mamie.
Bon, bah voilà, on va goûter le deuxième hamburger. Hop. On va goûter le deuxième. Tuerie, 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 tuerie. Franchement, faites-le chez vous. Avec la sauce barbecue et tout. Tuerie. Ah ouais, franchement, ça, très bon. Voilà. Le deuxième, tu aurais pu le garder pour papy. Ben, il a dit qu'il en voulait pas et après il y a encore du pain et de la viande et tout, donc je peux en refaire demain. Pas de problème. S'il en veut un, je lui en fais un. Il me reste de la viande, il me reste tout. Du fromage, j'en ai encore au frigo, il y a encore des tomates, de la salade, il y a tout ce qu'il faut. T'inquiète pas, s'il veut un hamburger, il y a encore des quantités ce qu'il veut. C'est une dinguerie. C'est trop bon, meilleur que Burger King. Si vous voulez refaire ma recette, n'hésitez pas à regarder le replay. Bon, je vous souhaite une bonne nuit, soirée, et demain, vidéo, vlog et tout, live, je vais en Allemagne. Je vais passer une journée en Allemagne, je ferai une vidéo là-bas. Voilà. Allez, à plus!